Bonjour, je suis Audrey, responsable QSE chez MyPay depuis fin 2023. Mon rôle au sein de l'entreprise est un rôle assez transversal. Je suis en contact avec les différents services. Au quotidien, je vais faire vivre les politiques et les cultures qualité et sécurité au sein de l'entreprise, que ce soit avec l'équipe de la direction et également les équipes de production ou les services support. Ça va se dérouler avec des visites quotidiennes dans l'atelier, avec des échanges avec les responsables de ligne, par exemple. Ça va être également de l'accompagnement, de la formation de nos équipes, que ce soit sur les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques sécurité, ou également de l'accompagnement et de la formation sur des nouveautés, comme des nouveaux plans de contrôle qu'on peut mettre en place dans l'atelier. Je dois également m'assurer de la conformité des produits que nous commercialisons et également que nous respectons la réglementation française et européenne sur les problématiques qualité, sécurité et environnement. Le service qualité n'est pas uniquement en contact avec les équipes internes, nous sommes également en contact avec nos fournisseurs, nos clients et des parties prenantes comme les services officiels, comme la DDPB par exemple. Et également, je vais travailler plus sur des missions de fond comme la certification et le renouvellement de la certification IFS Global Market de l'entreprise et des projets d'amélioration continue, que ce soit sur nos process ou nos produits. Ce qui me plaît aujourd'hui sur le poste de responsable QSE chez MyPay, c'est l'absence de routine. On n'a pas deux journées qui se ressemblent, on est toujours en train de changer de dossier, changer de sujet, et voilà, il n'y a pas de routine qui s'installe. Le fait aussi d'être en échange avec les différents services, le service qualité est quand même un service assez transversal, et on peut échanger que ce soit avec la direction, la maintenance, la R&D, la production et tous les services support. Également, ce qui me plaît, c'est le fait d'avoir rejoint une entreprise qui est en forte évolution et en forte croissance, ce qui fait qu'on a toujours de nouveaux défis, de nouveaux projets à suivre, et ça nous permet, voilà, de nous challenger personnellement, professionnellement, et également d'acquérir de nouvelles compétences. Les prochains challenges qu'on va rencontrer sur l'année 2024-2025, c'est tout d'abord l'ouverture du nouveau site de production. Le service qualité est intégré sur la préparation des plans avec la gestion des flux, la préparation et la gestion de nos déchets, par exemple. Donc ça, voilà, c'est un gros travail, c'est un gros projet pour l'entreprise. On est aussi en train de préparer la certification IFS Food. Jusqu'à présent, on est IFS Global Market et on va aller sur l'IFS Food sur la nouvelle usine. Donc là aussi, ça va être du travail pour les dossiers supplémentaires. Et enfin, pour la partie environnement, comme toutes les entreprises, on doit travailler à la diminution de nos consommations en énergie, notamment en eau. Donc ça aussi, c'est un de nos prochains challenges. Comme tout le reste de l'entreprise, le service qualité, voilà, est en train de s'étoffer, recrute. Et donc, si jamais vous avez aussi envie de participer à l'aventure MyPay, n'hésitez pas à nous rejoindre.